La sœur Azette, bonsoir. Bonsoir, frère Zoukler. Côte d'Ivoire dans la sainteté, c'est chaud aujourd'hui. Le frère Edel, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Gino. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère, je vais bien, par Et, la ma grâce de Dieu. et madame, comment elle va, madame? Elle est à côté, elle est en tête de ma tête, elle va bien aussi. Ok. Le frère Olivier Angoran, bonsoir. J'adore mon trou. Bonsoir, mon bien-aimé. Comment tu vas? Oui, très bien, mon bien-aimé. Tu es un ancien de Skype, Ça se tu connais. passe très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, tu es un ancien de Skype, tu connais comment ça se passe. Le frère Paul Espérance, bonsoir. Il n'a pas de casque, il n'écoute pas. Le frère Diamandé n'est pas là. Si, il est là. Il a coupé. Mais je ne le vois pas dans le groupe ici, il n'est pas là. Peut-être qu'on n'a pas sonné chez lui là-bas. Moi, je ne le vois pas. Alors, la Côte d'Ivoire, comment vous allez? Je suis content de vous voir aujourd'hui. On va bien, par la grâce de Dieu. On va bien. Il faut que vous veniez au Cameroun aussi, non? Faut que vous venez au Cameroun, frère Eden, vous allez venir au Cameroun quand? Amen. Voilà, on attend que la soeur Christine se connecte. Sa connexion n'est pas bonne. La connexion de la soeur Christine et les familles Espérance n'est pas bien. Ça tourne là, sa caméra, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, je suis content. La sœur, à cette heure, tu es toujours là où je connais. Oui, Non, toi, tu as la je suis connexion. toujours là. Tu as la connexion de l'Europe, quoi. La connexion ne dérange jamais. Amen. Hey, le frère Yao. C'est le frère Yao qui est entré comme ça. Le frère Yao Jules, bonsoir. Oh, frère Junior, mon frère, Oui. bien-aimé, bonsoir. Bonsoir, je ne te vois pas. Personne ne voit le frère Jules. On ne le voit pas. Oh, mon frère. Oh, ma soeur, aujourd'hui, elle est contente de venir. Ah, c'est tout. Aujourd'hui, Eh ben elle est voilà. contente. Voilà la sœur Christine que je vois. La sœur Christine, bonsoir. Oui, du moins, pas chez la pleurer. Bonsoir, frère Junior. On ne te voit pas. Voilà, il faut que frère Yahoo mette Vous ne sa voyez caméra. pas? Il n'a pas lancé son appel. Bon, à tout à l'heure, mon frère Olivier. À tout à l'heure. N'a pas lancé son appel. Moi, je vous vois, hein, frère Olivier. Oui, clique sur ta caméra tout simplement. Clique sur ta caméra, ça va, tu vas te connecter avec la caméra. Clique sur l'icône de la caméra. L'icône de la vidéo. La forme de la vidéo là. Normalement, vous avez quatre icônes. Il y a le rouge pour accrocher, le plus. Il y a le micro et il y a la caméra à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Normalement. La Sainte Christine, Mais ça, bonsoir. je n'ai pas affiché. Hein. Comment, frère Yahoo? Oui. Je n'ai pas affiché. Il faut essayer de voir. Bon, je fais comment? Je relance encore l'appel, d'accord? D'accord. Parce qu'il ne voit pas le frère Diamand, il ne le voit pas. La Côte Je d'Ivoire, vais la Sainte. l'avertir en même temps. Ok, donc je relance encore. Oui. Voilà.
maintenir. Il t'envoie celui qui reçoit la personne sur mon nom. Le frère Yao a encore décroché sans la vidéo, bon, de toute façon. Oui, vraiment, non. C'est à moi ce qui reste. Oui, mais tu n'as pas la vidéo. Mais il faut décrocher avec la caméra, là. Bon, le frère Olivier Angoran, frère Olivier Angoran, tu es un ancien, explique-lui ça. Il y a une caméra qui est affichée, là. Une caméra qui est affichée sur l'écran, là. Il faut décrocher avec ça. Ah, à mon côté, quoi. Oui, il y a affiché. Lorsqu'on lance l'appel. Il faut regarder sur ton écran, là. Rien affiché, là. Le dessin affiché sur l'écran. C'est le nom seulement qui est affiché. Il faut toucher l'écran avec le curseur, tu vas voir, ça va venir. Tu as vu l'endroit, tu as vu le rouge là pour accrocher? Voilà. Oui, vois le rouge. Ok, maintenant, dis ce que tu vois encore en dehors du rouge. Tu as vu là où il y a le micro? Non. Bon. Vois la caméra. Et puis... Le frère Guillaume dit. Tu vois la caméra, non? Tu vois la caméra, oui. Oui, oui. Tu cliques sur la caméra. D'accord. Voilà. Bingo. C'est fait. Oh, ça c'est tout. Tu apparais maintenant. Voilà. Décalé devant vous, mec. Oui, mais frère Yao, tu vois que la nouvelle technologie là, c'est pas facile, non? Oui, vraiment, mon frère, pareil, vraiment. C'est vraiment du. Mais ma soeur, je te vois pas bien. Vous ne me voyez pas bien? Qu'est-ce que la soeur Jimbel? Oui. Il a un problème de connexion. Oh. Ah bon? Oui, elle a un problème de moi. Tu as bien fait de rester à la maison sur toi aujourd'hui, assez tout. Il te dit, hein? Le dimanche, pas raté. Oh mon frère, tu n'en as pas entendu que tu restes au Divan encore. On s'est promené avec Internet là-bas, toujours au bord de la mer pour pouvoir avoir connexion, il n'y a pas. Ah, tu n'as pas oublié de rester à la maison. Le frère Guillaume dit qu'il est en route, il est en train de conduire. Ok, le frère Guillaume dit qu'il va nous prendre en cours. En fait, lorsque le forum est rentré, si quelqu'un est dans le forum, il peut revenir à tout moment, il peut entrer à tout moment. Lorsque le forum est lancé, il peut revenir à tout moment. Bon. Voilà, ça va, je viens. Oui, je reviens là, on nous a coupé l'électricité là, le temps que je mette la lumière artificielle. On nous a coupé la lumière, je reviens. Restez en ligne. On ne veut pas qu'on parle en Côte d'Ivoire, on va parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va parler. Téléphone portable ou bien PC. Ah, c'est une tablette.
grand-mère savait qu'il avait des soucis naturels. Mais Jésus, c'est pas si c'est. Au point, la connexion là-bas, c'est pas bonne. Mais dis-moi, je pense que vous étiez dans ce temps-là. Oui, mais on n'a pas pu, les enseignements parce que ça te connaît aussi comme ça. Je
je vous écoute, Saint-Sucin, la soeur Azeto Adaraï. J'écoute toute la conversation et toute l'émouvance de la Côte d'Ivoire. J'écoute. Donc, c'est tout simplement que je travaille en parallèle avec ceux de l'Allemagne. Ils doivent être connectés à 7 heures. Donc, je leur dis de patienter pour que je travaille d'abord avec vous. C'est pour cela qu'ils tentent de leur écrire. Voilà. Le frère demande de soit concentré au volant. Tu sais comment il y a le chauffeur là-bas à Abidjan, non? Pardon? Il faut soit concentré sur la, dans la conduite. D'accord? Oui, non, ça va. Oui, d'accord, ça va. Tu es à quel niveau là exactement avec ton véhicule pendant que tu roules là? Oh, je suis en zone portière. Zone portière. Le frère est détenu dans quelle zone d'Abidjan? Oui, je suis à Kumasi présentement. Pour à Kumasi. Et le frère Olivier Angoran, c'est à Bobo ou c'est où là? Yopougon. Le frère Yao Jules, de quel côté? Tu es à Yaoundé ou bien à Douala ou bien à Ngoudi Bakoko ou c'est où? La soeur Aseto Adara, c'est la zone 4, n'est-ce pas? Oui. La zone 4. Je crois que la... Oh là là. Oh là là, ces gens-ci ne comprennent pas. Ils ont un problème avec la connexion. Le bruit sort de chez Frère Yao. Frère Yao, il y a des bruits chez toi. Il faut couper. Il y a beaucoup de bruit chez le Yao. Frère Yao, le bruit sort de chez toi. Mais qui va pas te déchirer? Non, c'est pas chez moi. Ok. Donc tu te défends, bec et oncle, que le bruit n'est pas chez toi, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes prêts alors à ce qu'on commence cette nouvelle expérience dont avait la parole? Amen. Alors, dites-moi donc, comment ça va, comment vous allez depuis? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, mes frères? Avez-vous des questions? La connexion des frères Yao a chuté. La connexion des frères Eden a chuté également. Et chez la soeur Azetoudon. La connexion a vraiment chuté en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Non, je suis toujours connecté. Ok. Je suis toujours connecté. Vous êtes là, oui, c'est bon, vous êtes là. Mais malgré le déplacement du frère Diomande, sa connexion est constante. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi sa connexion est différente du vôtre comme ça? Et la connexion du frère Olivier. Avec Move. Orange. Sans publicité sur Bamba Iba. Alors, le frère Espérance, Paul Espérance, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends depuis la soeur Christine? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Voilà. Ah, madame. Comment va Tchabda, le frère Eden? Comment va Tchabda? Oui, Tchabda, elle va bien, par la grâce du Seigneur. Elle va bien. C'est amusant de trouver un Ivoirien qui s'appelle Tchabda. Ma maman dit, c'est où est-ce que tu as enlevé le nom ça?
dit que où est-ce que tu as ramassé ces noms-là, n'est-ce pas? Mais là, frère Eden, tu as fait fort, là. Non, mais Dieu là, en fait, pour ceux qui demandent, Dieu là dit seulement que de la même manière aujourd'hui, on trouve les Jean, les Paul, les Matthieu, tout ça parce qu'on a vu ça dans la Bible. C'est de cette même manière. S'il y avait une nouvelle version de la Bible, on allait voir ce genre de noms-là dedans. Ah ah! Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Le frère Jules Yao, comment va madame? Oui, par la grâce de mon frère Junior, elle va très, 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 très bien. Voilà. Vraiment, depuis vraiment son passage en Côte d'Ivoire ici, vraiment. Vraiment, on se sent maintenant chrétien. On se sent maintenant chrétien. Amen, amen, amen. J'aime ça. J'aime cette phrase. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime ça. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime cette phrase là. Alors chacun parle. Ça fait longtemps on s'est pas vu. Parlez-moi. Qui parle maintenant? C'est la sœur. Non. Frère Yao, parle d'abord. Frère Yao, d'abord. Parle tout. Dis tout. D'accord, mon frère Junior. Vraiment, mon frère, je me réussis vraiment très, très, très ravi de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment c'est une grâce pour moi. C'est une grande grâce, vraiment. Ma joie est vraiment tagée. Merci qui sont vraiment. Depuis, vraiment, quand j'ai passé en Côte d'Ivoire, pas même là, même depuis que j'ai commencé à t'écouter sur Internet, sur YouTube, avant de bêtiser les chrétiens, mais à travers l'enseignement que j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et après encore, en Côte d'Ivoire. Moi, dans deux jours-là, ce qui m'arrive, je me demande si c'est pas folie pour moi, là. Je vois ce qui m'arrive. Parce que j'ai du mal à fermer mes yeux. J'ai du mal. Dès que je fais mes yeux, hein, j'ai toujours un problème. Avec mes yeux. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer cela. Je suis vraiment chargé. À moi-même, quand je suis chargé, moi, c'est que c'est pas à faire sortir, mais c'est pas tant. Les choses se manifestent. Les choses spirituelles, mais à moi, ça me passe. Je me sens un esclave. Là, je ne peux pas échapper à cela. Et quand je fais mes yeux avec moi, moi, souvent, quand je fais avec mes yeux pour la question, je pense que cela, là, si c'est un individu, vraiment, c'est pas ça. Je vais pas vous faire mon Dieu. Quand je songe, je fais des délivrances. Je vois certaines personnes qui sont en train de chasser les démons. Et souvent, je sens encore qu'il ne faut pas arrêter parmi des gens qui m'observent avec une entière vraiment soumission. Je leur prêche la parole avec vraiment une autorité. Quand je fais mes yeux, vraiment, il y a plein de choses. Si vraiment, je vraiment, ce n'est pas encore manifesté sur le plan physique. Mais à moi seul, avec Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et même quand je suis assis sur lui, aux personnes autour de moi, je sens à moi que je parle, je communique. Vraiment, les choses que je fais dans cette conversation avec l'esprit, c'est des choses que, dans mon nom présent, même que si, il ne peut pas vraiment, cette sagesse, ça ne peut pas. Mais fait vraiment réjouir sans aller à l'école. Je vois que c'est la grâce. La grâce qui a fait vraiment grand. C'est grand. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je sais que vraiment, je suis chargé. Et bientôt, c'est à moi. Ce que bientôt, ça va déclencher. Là, je le sais. Amen. 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 Donc la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'attendre là. Il faut que la Côte d'Ivoire t'attende là, quoi. Oh mon frère, je t'aime vraiment. Je vous aime. Je crois que comme la connexion dérange chez vous, coupez les vidéos pour que la connexion soit un peu fluide. Coupez les vidéos, voir. Coupez tous les vidéos. Thank you.
des vidéos, ça va améliorer la vidéo, la connexion. Ça va? Le frère Eden n'a pas de vidéo coupée, sa vidéo n'est pas coupée. Coupez les vidéos plutôt. Vous laissez là en audio, comme ça va s'améliorer. Je crois que la personne qui coupe, oui, le frère Eden coupe ta vidéo, le frère Joman de sa connexion est bonne. La soeur Assetou également, la soeur Christine coupe ta vidéo. Le frère Yao, je coupe ta vidéo, coupez les vidéos comme ça, je crois que la connexion, la bande passante va être un peu plus améliorée. Coupez les vidéos, vous restez avec le... Avec le avec... Oui, moi, coupez ma vidéo. Non, le frère... Le frère, je n'ai pas coupé la vidéo. Il faut encore cliquer sur le... Clique sur le... Clique sur l'icône de la vidéo encore. Clique là-dessus. Là où tu avais cliqué pour que la vidéo vienne là, il faut cliquer encore dessus. Le frère Olivier Angoran, sa vidéo ne dérange pas, sa connexion ne dérange pas. C'est bien posé. Donc, lui n'a pas besoin de couper. Même la soeur Assetou également, sa connexion est bonne. Voilà, donc frère, je demande, c'est bon. C'est bon. J'ai coupé ma vidéo. Oui, c'est bon. Et à mon côté oui, le frère Yao, le frère pour aider n'est pas coupé. De couper ma vidéo. Oui, frère, Eden, coupe, il faut couper. Ouais, c'est coupé. La vidéo de frère Yao n'est pas coupée. Parce que quand vous allez couper les vidéos, la connexion va se stabiliser petit à petit. De couper à mon côté, frère Gino. Non, ta vidéo n'est pas coupée. Coupe ta vidéo. Coupe ta vidéo. Ne raccroche pas. Coupe plutôt la vidéo. Clique sur l'icône de la vidéo. Non, ta vidéo monte toujours. Voilà, c'est bon, frère Yao. C'est bon. Voilà. La seule question, si tu nous entends, coupe ta vidéo aussi. Le frère Arthur, tu nous entends, coupe ton micro aussi. Coupe ton micro aussi. Le frère Arthur, parce que toi tu roules dans la zone. Voilà, coupe ton micro. Voilà, merci le frère Arthur. Ton micro est coupé, le bruit a baissé là-bas. Le frère Eden, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Vous allez voir que la connexion, au fur et à mesure, la connexion sera bonne. La communication sera bonne. La soeur Christine, on n'entend ni rien d'elle, ni la vidéo, ni le bruit. Je ne sais pas si elle nous entend. Si tu nous entends, coupe ta vidéo. Sa connexion n'est pas bonne du tout. On n'entend rien de ce qu'elle dit là-bas. Voilà. Le frère Yao. Le frère Yao, quand j'avais dit dans les enseignements, dans les enseignements longtemps avant, que tu as reçu le même appel que moi, il ne sait même pas. Qu'est-ce que tu en as vu? Qu'est-ce que tu pensais quand tu as suivi cet enseignement et que j'avais dit ça là-dedans avant qu'on se voit en Côte d'Ivoire? Oui, de bien dit, frère Junior, ça avait fait comme ça, deux fois comme ça qu'il entend ça. Pas première fois, ça, parce qu'à un moment, il était à quelque part. Dans une mission de là-bas, vraiment, il était vraiment zélé, parce que le Messie disait qu'il s'attendait à faire vraiment le parfait de Dieu. Il était vraiment zélé. Il m'a fait rentrer même quand il fait un mois, deux mois, vraiment. Mon nom même était publié même partout. Vraiment, il faisait tout avec l'amour. Il faisait tout avec l'amour. De là-bas, même là, les gens parlaient que vraiment,
Vraiment, on me surveillait, mes frères prenaient vraiment soin de moi. Et après, quand un frère est venu vers moi, il a vu ma façon de me comporter avec la parole. Il m'a dit vraiment, je sens que tu as l'amour de la parole, mais j'aimerais que, c'était l'enseignement d'un frère qui est au Cameroun, si vraiment tu as quelque chose qui te donne aussi pour que tu puisses l'écouter, il m'a donné quelques enseignements comme ça. Le premier jour, quand j'ai commencé à écouter l'enseignement, vraiment, ta façon de parler, je ne saisis pas bien ta façon, votre français. C'est que j'aimais vraiment la parole quand tu fais ça. Quand tu fais ça, avec une puissance, David. Non, quand tu parlais, c'est un peu bizarre. À chaque fois, quand j'écoute, j'arrive sur toi, je zappe ça, je n'écoute pas. Mais je suis sorti, quand je suis arrivé à l'autoroute, je vais traverser, puis c'est tombé. Non, comme je suis en train de traverser, je vais laisser. Parce que je suis venu prendre le téléphone pour couper, peut-être il peut avoir au moins quelqu'un. Je suis là. Donc, il a laissé l'enseignement. Donc, il voulait traverser le goudron. Après, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai oublié et j'ai écouté jusqu'à la maison. Ah, attends, il dit, mais attends, cette chose-là, ça est dans mon portable depuis qu'il est réalisé. Donc, il a fait sortir le téléphone. Il a regardé. Il dit, mais ça, c'est ce que le frère à quelqu'un m'a donné. Et bien, un frère s'appelait Koufi comme ça. Lui, il est dans même à Bobo là. Donc, même je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé, il me met au salon. Mes enfants sont devant la télévision. Il dit, pardon. On est dans la télévision parce que il y a des choses qui viennent de découvrir. Parce que quand j'ai commencé à t'écouter bien ce jour-là, je sentais ce truc parce que j'aimais beaucoup attendre les gens prêchent la parole avec une autorité vraiment. Et quand c'est comme ça, ça me touche. Mais je voyais que, je sais pas, c'est moi parler de la doctrine, de la prospérité. Où tu as pris comme ça, les bruits, chapitre 1, où tu as parlé de la gloire de Dieu, c'est Jésus même en personne, lui même en personne. C'est mon premier enseignement que j'avais reçu. Donc quand j'ai écouté, quand j'étais avec les frères, vraiment, je ne l'aimais pas beaucoup. Quand les gens parlent même de l'argent, c'est une chose. Ce n'est pas à moi. Comme je savais que c'est les gens qui sont à penser que nous, je prends ça comme ça. Mais à moi, je ne suis pas d'accord. Comme ils viennent d'arriver, les gens qui sont là, ils voient les apôtres qui sont vraiment nommés, qui sont là. Ils viennent d'arriver, il n'y a pas encore 2 mois, donc vraiment. Mais à chaque fois, on me met devant eux, on dit vrai, oh, vraiment, je viens vraiment nous exalter un peu. Quand ils viennent chaque, parce qu'ils voyaient la manière, ça vient vraiment, c'est pas ça. Donc, quand il dit toujours, cette parole, il remarquait, il me suis vraiment fait remarquer cette parole. À chaque fois qu'on me met devant, il a dit, il a toujours dit que dans nous, ces enfants, on doit faire de la différence avec les gens du monde. Mais en faisant la différence, les gens vont savoir que vraiment, nous avons un Dieu qui est différent avec les dieux. Quand il disait ça, mais les gens, on ne comprenait pas. Mais moi, ce que je disais, je regardais les façons de faire, que vraiment, qu'on fait la différence avec les gens. Mais quand il disait ça au fond du cœur. Mais quand il disait ça, les gens m'attendent. Donc, quand j'étais voilà, d'écouter, ce que je cherchais toujours à temps, j'entendais ça. Donc, ça m'a énervé, même j'ai dit à mes enfants, même de sortir, j'ai coupé la télévision, j'ai fermé la porte là-dessus, moi, dans la chambre, là, il y avait 4 enseignements, j'ai suivi les 2. C'était long, mais il s'est fini, même, j'ai rébissé. Donc, ce jour-là, matin, quand j'étais arrivé au travail, j'ai appelé le frère, il dit, ah, vraiment, l'enseignement que tu m'as donné là, si il y en a encore, parce que j'ai écouté, ça m'a fait du bien, si il y en a encore, il n'y a pas de problème, que c'est un cri là-bas avant moi. Donc, je vais faire partie d'un truc de 16 gigas. Il m'a copié cela. Frère Junior, quand il a commencé à écouter l'enseignement, un jour, il s'est allé dans l'assemblée où il était. Quand il s'est arrivé, j'ai regardé parce que tout ce que tu disais là, moi je suis parti. Parce que je suis parti aller voir, aller mettre ça là-bas pour voir vraiment si les gens voient ça. Si ça tient un peu, je vais le distribuer aussi. Mais quand je suis parti, papa, ça me dit non, c'est charné, ça ne fait pas ça, le pasteur du monde ne l'écoutait pas. Donc, quand je partais, je les regardais. Donc, pendant que je parlais, un jour même, je suis parti dans la cible, il y a une fumée qui est tombée en tranche. On dit prophétie. Voilà, là-bas, on s'attendait à appeler les missionnaires. Il dit missionnaire, yao. Missionnaire, yao. Et c'est en train de faire le pasteur du monde. C'est descendre dans la chair. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le Saint-Esprit ne te voit pas. Où tu es parti? Il me posait la question. Mais ici, pourquoi on me dit que peut-être il y a un frère qui est tombé en transe comme ça, il s'appelle Seth. Il dit là en esprit, il a fait révélation qu'il est monté aussi au père. Il voyait tous les frères, mais moi, il ne les voyait pas. Donc, moi, j'ai dit vraiment que ici, là, donc, dans le cas de là où tout le monde a couché dessus, peut-être comme le cas de là est grand, il faut bien fouiller, peut-être il s'est caché quelque part. Je dis non, je ne vais pas les passer. Je l'ai fait juste là. Après, je suis parti, ça commence à aller. Ça commence à aller. Et là-bas, vraiment, c'est vraiment terrible.
Et là-bas, même, on peut faire, même, on peut sortir même du corps. Frère Junior, t'es venu à Côte d'Ivoire, c'est une chose que je voulais te dire. Je ne sais pas si le temps veut. Il y a un chose que je voulais te dire, mais comme il n'y a pas eu l'occasion. Là-bas, on t'a dit, il sortait. Parle maintenant, tu en as l'occasion, parle. Le monde, parle maintenant, mon frère, parle, parle. Ouvre bien la bouche, parle, le monde t'écoute. Vas-y, parle. Quand il arrive, il ne peut pas. Quand il veut monter, quand il veut sortir, comment on fait? Parce qu'on dit, allez, allons en esprit. Parce que même tous là-bas, en parlant langue. Que là-bas, le baptême, dès que tu reçois le baptême, si tu n'as pas parlé en langue, c'est que ton baptême n'est pas passé. Donc, vraiment là-bas, chacun de nous a reçu la langue. Là, c'est automatique. Dès que tu baptises automatiquement, alors, est-ce que il veut chercher à monter comme eux? Je me forçais, mais je n'arrive pas à monter. Il s'est monté vraiment, je suis descendu. Parce que les autres, là, quand je prie, en priant là-bas, quand je sors de mon corps, je sais que j'essaie toujours de sortir de mon corps. Mais depuis que j'ai pris l'enseignement, il y a fait presque 2 semaines, j'écoutais, ce que le frère m'a envoyé, je voyais moi que je suis descendu. Quand je vais faire, je monte. Il n'arrive même pas à. Le frère Yao. Le frère Yao. Oui. Je vais te poser quelques questions concernant cela. Ah ouais, je vais te parler. La soeur Assetou, coupe ton micro parce qu'il y a un peu de bruit chez toi aussi pour qu'on puisse bien écouter le frère Yao. Le frère Yao, dans cette assemblée, la soeur Assetou, il faut couper le micro. Le frère Yao, comment est-ce que vous faisiez là-bas? Comment est-ce qu'on enseignait pour que les gens puissent sortir de leur corps? Essayez de nous expliquer comment vous faisiez cela. Voilà. Comment ça? Parce que quand on arrive d'abord, on nous demande d'invoquer des. Ça, c'est la première chose d'abord. Quand on se réunit, on met une personne au milieu de nous et il nous fait prier tous parce que là-bas, on dit pour qu'on puisse vraiment remplir, pour qu'on puisse monter, il faut qu'on puisse on prie tout en langue. Donc, quand on arrive, il y a une personne qui se met devant nous et il fait monter, il nous fait prier tous en langue. On peut prier en langue pendant au moins 30 minutes après. Et après, maintenant, de là, on invoque maintenant, c'est la personne de là-bas, on invoque maintenant le sang de Jésus. Parce qu'on dit maintenant, c'est par le moyen du sang de Jésus que nous pouvons monter dans le sanctuaire céleste. Donc, on invoque maintenant vraiment le sang. On invoque le sang, on invoque. En invoquant le sang, on sent que automatiquement, d'autres même tombent en tranche. D'autres même là, ils tombent à terre maintenant. Toi-même, tu dis que nous, on est devenus fous. Et par là maintenant, on prie tous. Et par là maintenant, on prie même là. Quand on prie, on sent plus même le corps. On sait qu'on n'est plus en nous. En tout cas, de là-bas, moi, il n'y a pas de décision. Mais en moi-même, quand je commence à prier, je sens qu'il y a une force. Il y a une force qui sortait de moi et ça me rend vraiment dur. Ça me concentre d'une manière. Je me sens dur, formé, concentré. Et après cela, maintenant, quelques temps après, quand il dit Amen, Amen, et chacun se donne ses textes, on pose des questions. Quand on est monté, qui a vu? Parce qu'il y a plein, même qui sont des prophètes, d'autres ont des visions, d'autres n'ont pas des visions. Mais nous deux, on sent vraiment la chose se manifeste en nous. En toi, tu sais que. Il y a une force qui sort de toi. Tu vois. Donc là, maintenant, on pose la question maintenant, en priant, qu'est-ce que vous allez vivre? D'autres voient comme ça que vraiment, quand ils sont montés, il y a vu telle chose, qu'est-ce qu'il a vu? Et c'est des choses vraiment, c'était vraiment réel. C'est une chose vraiment réelle. Donc, quand je faisais cela, quand les frères m'ont donné l'enseignement, pendant que j'écoutais l'enseignement, quand il arrive, il n'arrive pas. Mais quand il a laissé l'enseignement, quelques 2 semaines après, je me suis retrouvé. Quand on se réunit, je prie maintenant, ça se manifeste. De là jusqu'à un jour, il était à la maison. Ma femme était à la maison. Là-bas aussi, elle avait une vision. Même si on a baptisé, quand on a commencé à bailler, avant qu'on nous baptise, on nous réunit vraiment au bord de l'eau. Et on nous demande de répéter une parole qu'on nous donne. On donne une parole. Au vraiment d'abord, on arrive, on dit Jésus, baptise-moi. Et cela, on peut répéter cela à plusieurs manières. Jésus, baptise-moi. On fait jusqu'à. Et puis, de là maintenant, ta langue change comme quelqu'un qui n'est plus normal. Ça parlait une langue même vraiment que toi-même tu ne sais pas comment expliquer cela. Et après que la langue commence à sortir maintenant, on nous demande maintenant d'invoquer le sang de Jésus. Et quand on invoque vraiment le sang de Jésus, que la langue soit vraiment propre, la langue là sort bien. Et là maintenant on fait rentrer dans l'eau. Même juste on fait rentrer ma femme dans l'eau, quand ils l'ont baptisé, qu'elle est sortie de l'eau en même temps, elle a crié. Et après on lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit comme ça que quand ils l'ont mis dans l'eau, elle a vu un homme habillé en tout noir, comme un ninja, comme ça se passe à la télévision là, comme un ninja. Donc, de là, c'est là qu'il a reçu la vision. On est venu à la maison. Donc, c'est lui que j'arrive à la maison. Il est sorti, allé même prier à quelque part. Quand je suis rentré à la maison, elle est en train de préparer ça. Si à côté, elle me dit, comme ça, chérie,
Est-ce que tu sais que la mission où on est là, nous sommes vaincus par Satan, on est tous vaincus par Satan. Mais quand elle a dit ça, quand elle a tourné son visage, la monnaie m'a regardé, parce que j'étais là-bas, il pratiquait. Frère Junior, oui. J'étais vraiment zélé. Oui. J'étais vraiment, j'ai un nom là-bas. Mon nom était même partout dans cette mission. Quand elle a dit ça, il y a dans ce visage, et il y a des choses à faire. On a des signes. Quand il y a une chose en train de se passer, par exemple, il y a un endroit, s'il y a une manifestation bizarre là, pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est dans ce lieu, il y a des choses que il y a des paroles que je prononce, je répète ça à moi, et puis à moi, l'esprit se manifeste à moi. Parce que là-bas, on dirait que c'était le Saint-Esprit. Tu as vu? Donc, elle a dit ça, il est composé. C'est ce qu'on disait, il est composé. Il dit, vous me suivez? Vous me suivez? On te suit, c'est oui, on te suit. J'ai demandé qu'on coupe le micro. On a coupé le micro pour que tu parles bien. Que tout le monde coupe son micro pour que ça ne fait pas de bruit. Moi, j'ai coupé mon micro. D'accord. Donc, de là, quand ma femme a dit ça, il a composé. Frère Junior, il a dit comme ça que sur la base du sang de Jésus que nous avons mangé, nous avons bu, et sur la base de la chair de Jésus que nous avons mangé, de Jésus du baptême en esprit, vraiment, si c'est ce que ma femme est en train de me dire là, si c'est vraiment vrai, je veux sentir quelque chose. Frère Junior. Oui. Avant même de finir de dire ça, ça commence à se développer à moi. Moi, je suis assis dans le fauteuil, mais il sentait à moi que, ça, un coup, il sentait que la présence est là-dedans, à moi. Donc, il a vu que ce que ma femme a dit, il ne sait pas si c'est faux ou c'est vrai, mais en faisant ainsi, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Donc, c'est là maintenant, il commence à me poser la question maintenant. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette mission? Donc, c'est pas là maintenant, je me suis retenu encore à la maison, j'ai pris enseignement. Là, je copie aussi sur le téléphone, en marchant même dans les rues. Je commence à écouter. En écoutant jusqu'à. Et puis encore, je suis devenu vite encore. Quelques jours après, je passe dans l'assemblée. On m'a dit de faire monter les autres qui sont là. Frère Junior, j'ai commencé à prier, faisais tout. Ma langue, il peut parler à la frère Junior. Vraiment, si je veux faire sortir la langue là, ici, tu vas arriver là-bas tout à l'heure au Cameroun. Parce que j'ai commencé à faire. Je fais, je crie. Je n'arrive pas à monter, mais qu'est-ce que ça? Je suis que la voix qui parlait en toi n'est pas un homme. Là, j'ai commencé à discerner ta voix. Je me suis mis en genoux à la maison. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, vraiment celui que j'écoute, si il est vraiment, il est de toi, je veux des signes. Frère Jean, quand j'ai demandé cela, une semaine après, j'ai dormi dans mes songes là. Ce que j'ai vu, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Mais je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vu. Un coup comme ça, dans mes songes, j'ai commencé à vomir. Tu as vu? Lui a dit que non, si vraiment ce frère-là est vraiment, il est de toi, que si vraiment ce qu'il dit est vraiment de toi, je vais avoir des signes. Parce que de là-bas, dès qu'il dit ça, parce qu'il disait ça avec l'esprit, quand il dit ça, une semaine après, il est tombé, dans mes songes, j'ai commencé à vomir. Mais frère Junior, ce que j'ai vomi, c'était comme les vers de terre, mais ils sont longs. Il dit, c'était vraiment vilain à voir. C'était vraiment vilain à voir. Il dit, je vomis. Ça ne sort pas, je prenais ma main, je tirais comme ça, ça sortait de la bouche comme ça. Je tirais. Et quand il tirait là, il sentait à moi, mon ventre, pendant qu'il tirait que ça sortait, mon ventre, ça diminuait. C'est comme mon ventre, dans ce sens là, comme mon ventre était ballonné comme ça. Mais pendant que je tirais ce truc comme les vers de terre là, mon ventre a diminué. Jusqu'à quand il venait de tirer, il dit, il était devenu faible, on dirait quelqu'un qui a gêné pendant au moins une semaine, n'a pas mangé. Dans mes songes là, il veut marcher, mais il ne veut pas marcher. Il était devenu faible comme ça. Il me suis sorti, il a cherché l'eau, il a bu l'eau. Frère Junior, depuis qu'il a fait ces songes là, un coup, je suis allé dans l'assemblée. Quand j'ai arrivé là-bas, quand on me parlait maintenant, tout ce qu'on me disait là, ça m'énervait. Tout ce qu'on me disait, je ne sais pas, mon esprit de prière, il savait que. Allez, je suis parmi eux, mais je ne suis pas là. Je ne me sens pas là, je ne me sens même pas là. Et puis, j'ai une force encore. Je vais dire les choses que je sens à moi. Donc, un jour, on allait, je dis à un frère que vraiment, la langue que nous parlons là, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Moi, j'étais ancien, moi, j'enseignais ça à tout le monde. Donc, la question que j'ai posée, ça a énervé à tout le monde. On dit, mais non, mais ce conseil, il faut fermer sur ça. Vous m'entendez? On t'entend, continue mon frère, continue. Il faut parler, continue. D'accord. Voilà. Et il m'a dit comme ça que non, il faut fermer sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, il y a les nouveaux qui sont venus. Toi, tu es un ancien. Si vraiment tu poses la question comme ça dans l'assemblée, mais la candidature, ça m'énerve parce que je voulais que ce soit forcément que ça soit expliqué devant tout le monde. Mais
on me prenait de côté parce qu'il y avait un superviseur généraux. Il m'a pris de côté. Il dit non, tu es un ancien. Si tu fais ça, voilà, il y a les nouveaux qui sont venus. Si tu fais ça pour toi, Yao, tu es un ancien, ça va être décourager, ne fais pas ça. Donc, tellement c'était trop sur moi, je me suis calmé. Et après, maintenant, on a fini cette réunion, ils m'ont appelé de côté. On dit, mais quel est ton problème? Il dit non, il sent moi que la langue que nous parlons, c'est une langue qui n'est pas. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit non, mais je ne dis pas que vraiment, je coûte vraiment un enseignement de quelqu'un en cachette. Il ne dit pas cela. Tu as vu? On m'a posé la question. Il dit non, vraiment, il sent moi qu'il y a quelque chose qui est derrière ce qu'on est en train de faire, que c'est caché. Parce que, frère, souvent, quand la prophétie tombe au milieu de nous, il dit, ta fille, même si elle met devant nous, tape sa patrie avec violence. Je suis le Dieu d'Abraham, du Saint-Dieu de Jacob. C'est moi, je vous ai crié. Vous ne faites pas mon œuvre. Souvent, quand l'esprit s'est mis au milieu de nous, c'est un esprit, il est violent, il est frère. Il dit, non, on ne fait pas l'œuvre. Je vous ai choisi de faire mon œuvre. Vous êtes là. Vous ne portez pas du fruit. Et vous êtes là. Le don que vous avez reçu, vous avez assuré. Il parle avec cette fille. Quelqu'un, il tombe en transe. Soit ici que les noms, frère Yao, le don que tu as reçu, tu ne travailles pas. Où sont les sommes que tu as envoyées? Yao, pourquoi tu ne travailles pas? Tu dois avec le don que tu as eu. Quand l'esprit a vu, il tape sa patrie. Je suis le Dieu d'Abraham, du sac, Dieu de Jacob, le créateur des bonnes âmes. Donc, souvent, frère Yao, quand il entend ces choses-là, il me pose beaucoup de questions. Mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que ça fait un peu de semaine au milieu de nous, taper sa patrie pour dire que quand il est commenté à venir dans sa transition, il a fait ses songes, il a fait sortir ces trucs-là. Quand je m'en vais, il commence à poser certaines questions sur des doctrines que nous faisons là-bas. Frère Gino, ce sont des questions qui viennent dans ma tête. Est-ce que Satan peut venir au milieu de nous, taper sa poitrine pour dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob? Quand la question vient dans ma tête, il dit à moi, dans ma tête, ça, tout dans ma tête. Et quand ça vient comme ça, je peux plus. Quand comme ça, j'arrête. Parce que je n'ai pas de réponse. J'arrête. T'as vu? Donc, c'est juste que j'ai posé la question, ça commence à déranger. Jusqu'à ce qu'on a appelé même l'apôtre en question, la mission est descendue. Ça fait Paul. C'est un monsieur vraiment, un Ivoirien ici. Il est vraiment grand de taille, il a la taille. Non? Mais on fait là, parce que partout je me retrouvais, je posais la question avec les superviseurs, les gérants de lieu, parce que là-bas, il n'y a pas pasteur. Donc, seulement, on peut monter de superviseur, parce que superviseur, c'est quoi? Si tu crées au moins juste, parce que c'est dans les maisons, on ne se réunit pas. Là-bas, on ne construit pas des maisons, on ne paie pas des dîmes. On ne peut pas ces choses-là, même les offrandes, c'est les dons livres qu'on donnait. Mais on se réunit dans les maisons, comme la Bible demande. Mais partout où il passait, il y avait toutes ces questions-là. Donc vraiment, ils ont vu qu'il y avait un problème. Donc ils ont fait point à l'apôtre par la question que la mission est descendue. Que vraiment, le frère Yao, missionnaire Yao, qui était à Boubou ici, que tout le monde parlait de vraiment, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a. Vraiment, il a été séduit par de mon séducteur. Quand il est arrivé dans l'assemblée, lui-même qui est ancien, vraiment, les questions qu'il pose là, on ne comprenait pas. Donc l'apôtre même a il m'a convoqué, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, vraiment, t'as beaucoup, les missionnaires qui sont à Bobo, on m'a appelé pour me dire que vraiment, tu as des questions que tu les poses avant que ça les dérange, qu'au lieu de te faire l'œuvre, là, tu ne fais pas l'œuvre, les choses que toi-même, là, tu as déjà pratiquées, qui viennent encore, tu les poses la question, vraiment, ça les dérange. Donc, vraiment, quel est ton problème? Donc, si tu as le temps, tu viens, ou si tu veux aussi, moi, je me déplace, il vient chez toi à la maison. Je dis, ah, moi, là, d'accord, j'aimerais que tu viennes à la maison chez moi, parce que c'est à Bobo ici le problème qui se passe. Donc, j'aimerais que quand tu vas venir, mais question qui va te poser, ça soit devant les frères qui sont ici, que chacun de soit édifié. Parce qu'il y a plein de questions sur mes mains ici. Je leur ai demandé à. Parce qu'il y avait un. Il y a presque quatre apôtres. Parce qu'il y a cinq. Il y a lui-même l'apôtre, sa femme apôtre. Et puis il y a un encore, ça s'appelle Jean, apôtre Jean. Et puis il y a apôtre Abraham, il y a apôtre Moïse, il y a apôtre encore Ruth. Donc parmi les apôtres femmes, il y a deux. Et puis des garçons, Andréa. C'est là qu'il a convoqué Jean. Parce que c'est Jean même qui était auprès de lui. Après lui, c'est Jean qui était là. Donc il a appelé Jean. Enfin, là, pour vous, vraiment, il y a un problème pour vous, il faut aller régler ça. Donc, Jean est venu un samedi, on s'est réunis chez moi à la maison. Il dit, mais il y a vraiment des questions. Quel est ton problème? Il dit, vraiment, il a examiné dans la parole, il voit que les pratiques que nous faisons, ce n'est pas biblique. Vraiment. Il sait que, parce que vous êtes ancien, moi, je viens de rentrer, il sait que vous allez mettre ça de côté, parce que, mais à moi-même, là, à moi, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ça, ce n'est pas biblique, parce que, à moi-même, la langue que nous parlons, et là-bas même, des bébés de 1 an, 2 ans, on baptise tout le monde. On baptise tout le monde. Des vieux, des enfants, on baptise tout le monde. Et là-bas, les femmes baptisent. Et les femmes, ma peau, tout ça, là, ils voient que c'est des choses qui ne sont pas scripturées dans la Bible. T'as vu? Donc, vraiment, j'aimerais que tu m'expliques un peu vraiment, tu es à terre, pour que je puisse comprendre. Parce que je suis sincère avec Dieu. Donc, quand il y a une chose qui ne sait pas tout ça, je suis avec vous, et puis, mais ce que vous pratiquez, il sent qu'il ne se passe pas dedans, dans la parole, c'est pas bon. Donc, vraiment, si on voit que c'est pas ça, il peut vraiment, même, de quitter dans la mission, de chercher vraiment.
à des ceux qui pratiquent la parole. Donc vraiment, c'est juste à chacun de prendre. Il dit, frère Junior, il me pose, après de la tasse, sa patronne me dit que Yahoo, tout ce que tu me dis là, c'est vrai. Mais moi, Jean, il te dit de pratiquer. Donc, il te dit que ce que tu dis là, qui ne sont pas scripturaires, c'est vrai, mais il faut pratiquer, continuer à pratiquer. Il faut que tu pratiques quoi? Il te dit que tu pratiques quoi? Voilà. Je pratique seulement. Que lui, quand il va en esprit, qu'il y a un livre, le livre qui est là-bas, lui, quand il monte, il voit l'enseignement qu'ils vont apprendre dans ce livre-là. Que lui, ce qu'il sait dans ce livre-là, il ne sait pas comment un esprit va comprendre. Comme il sait encore nouveau, seulement de pratiquer avec le temps, je vais comprendre. Que lui, quand il va en esprit devant le Dieu d'Abraham, il voit, il apprend le livre, il prend l'enseignement dedans, que vraiment, il sait pourquoi il me dit de pratiquer, que non, de laisser tomber tout ce qu'il me demande de le faire, je me mets à l'œuvre. Donc, elle a dit ça, il dit vraiment, moi, je voulais une base, parce que la parole qui est là, vous parlez du Saint-Esprit, la Bible qui est devant nous ici, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, si vraiment, tu me montres, et tu me montres comme le Saint-Esprit, tout ce que tu demandes ici, vraiment, si c'est plus comme tu dis, je vais faire, mais on me dit que tu es allé en esprit, puis on me dit que non, c'est un pour pas mal de. Non, non, non. Moi, j'aimerais qu'il applique les choses selon comme c'est écrit. Donc, c'était devenu une discussion entre nous. Ils sont levés, mais comment de pratiquer. Mais quand il a dit ça, il n'a rien dit. Je continue à prier. Mais ce que le problème, frère Gino, de là, j'avais l'amour de la parole. Donc, ce qui me fatiguait, je me disais, mais attends, je sais que dans les temps faits de mes dons, si je m'en vais là-bas, ils vont me dire de payer la dîme. Et les pratiques sont là-bas. Moi, je suis quitté là-bas. Si je quitte les cieux, là, parce que de là-bas, où on était, il n'y a pas à faire de dîme, il n'y a pas d'offrande. Donc, on est libre, vraiment, on est libre là-bas. Chacun, ça, chacun cherche à être apôtre. Si tu travailles bien, tu peux monter en grâce. C'est comme ça, on peut monter de superviseur. Tu peux être superviseur généraux. Après, de là, maintenant, tu peux être maintenant apôtre. Donc, on peut monter jusqu'à apôtre, depuis docteur. C'est comme ça. Donc, c'est ce que nous avons cherché là-bas. Donc, si je quitte là-bas, là, je vais aller où? Mais de là, c'est juste l'amour de la parole. Il dit, j'avais l'amour de prêcher la vue. J'avais l'amour d'aller vers les gens, de les parler de Jésus. Donc, il me disait, mais si je quitte là-bas, là-haut, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, à chaque fois, quand je vais quitter, c'est ce que ça qui vient dans ma tête. Donc, il écoutait l'enseignement, et puis, je suis tombé dans l'enseignement que tu as fait, tu as dit comme ça que non. Il sait que les ceux qui vivent la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu, la terre, ils ne sont pas beaucoup maintenant. Si vous êtes vraiment sincère dans le cœur, mettez-vous dans votre maison et demandez à Dieu avec cœur, avec sincère. Il va vous emmener où ces enfants qui pratiquent sa parole. Après, non, même j'ai le même matin entendu ça, j'ai écouté en même temps. J'ai dit, voilà. Ce que le frère me dit là, cette parole c'est pour moi. Donc de là, je suis allé à la maison, en plein journée, je suis allé à la maison. Mais il y a une chose, frère Junior, de là-bas, l'esprit m'a permis de savoir comment demander les choses avec la foi. Là, j'ai eu ça là-bas. De là-bas, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment scripturaires. Mais ce que j'ai eu là-bas, quand je veux demander une chose, je vais. Ouais, pourtant, quand je venais en Côte d'Ivoire, tu parlais comme ça que j'ai demandé à mes frères d'attraper la bouche. Je dis, quand tu as dit t'as fait la bouche là, avant que tu expliques ce que ça veut dire, à moi je savais déjà ce que ça veut dire. Parce que je peux laisser la bouche ouverte et puis parler, et puis faire parler avec quelqu'un dans mon cœur. Là, il savait ce que ça veut dire. Donc quand tu as dit ça, je suis assis là, j'ai rien. Je dis non, cela ne comprend pas ce que je fais. Parce que je comprenais automatiquement. Donc quand tu as dit ça net, tu n'as même pas répété, je suis des fois les questions. À moi-même, par l'esprit, je suis ça. Donc là-bas, pour demander une chose à Dieu, j'ai appris comment demander. Avec l'esprit. Donc, quand j'entends cette parole-là, je suis allé me mettre un genou et j'ai prié. Seigneur, si vraiment ma prière est vraiment ta volonté, indique-moi vers tes enfants qui vivent que pour toi, sur la terre ici. Frère, je n'ai rien resté en prière. Dans la même semaine, le frère en question qui m'a donné des enseignements, il est venu vers moi et me dit Yahoo, vraiment, il veut te dire quelque chose depuis la même, mais vraiment, il ne sait pas. Mais il veut te dire quand même. Il y a le frère en question qui a quelques enseignements-là. Il y a des frères qui sont à Yopougon. Et ils se réunissent le dimanche. Ils mènent l'enseignement des frères là et puis ils sont là et puis ils écoutent. Et puis il y a un qui est là où ça fait faire revivre. À travers cet enseignement, il est dans certaines personnes là-bas. Que vraiment, il a à Yopougon dans tel endroit. Mais c'était un samedi, hein, frère Gino. Le même samedi m'a dit, le dimanche matin, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Quand c'est arrivé, j'ai appelé le frère Olivier et il est venu me chercher au dehors. En marchant sur la route, il m'a dit que non, on causait. Il m'a dit, frère Yahoo, est-ce que tu sais que le frère Junior prend sa femme en Côte d'Ivoire ici? Frère Junior, c'est vraiment mes vers ce jour-là. Ce jour-là, c'était mon paradis. Non, j'ai dit, ah bon? Vu que j'ai pris sa femme en Côte d'Ivoire ici, comment ça peut venir? Je suis en train de rigoler. Mais moi, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, tout ce qu'on disait, moi, j'ai regardé dans la salle,
Comme tout le monde était voilé, qu'il ne reconnaissait pas aussi là-bas, il ne sait pas qui est étranger, qui n'est pas étranger. Mais il faisait le verre de tout le monde là-bas. Il était là jusqu'à et puis après, maintenant, ils ont fini de regarder de moi maintenant, la soeur, et puis il y avait une soeur encore, la femme de la soeur, le frère Trabi. On dit vraiment, les frères, on vous annonce, le frère Junior de Cameroun, sa femme, Grace Chanda, elle est venue de l'université. Quand c'est le frère Junior, vraiment, l'argent qu'il y avait dans mon caisse, il dit c'est moi qui serai Jésus, même quand il me dit. Parce que c'était comme, j'ai vu une ange devant moi. Parce que quand j'ai écouté tes enseignements, pas pour te glorifier, frère Junior, pas pour te glorifier, mais quand il t'écoutait, j'entendais toute notre voix. Parce que quand j'écoutais, j'ai tombé, quand il fait mes yeux, tout ce que tu me disais, c'est devant, il dit Jésus-Christ, c'est tout seul. Quand je me couche, ce que tu dis là, je dis, l'esprit vient encore m'expliquer comme si tu avais pour moi, on est en train d'échanger. Ça, il dit, ça l'explique automatiquement. Et quand je me lève, je vois la seule chose que je suis là, comme ça vient dans ma tête. Mais moi, c'est un passage, je ouvre la Bible, je regarde, c'est effectivement ce que je vois. Donc, c'est par là que moi, j'ai pris la confiance. Donc, quand la soeur s'est levée, à moi, j'ai dit, ma bouche était fermée, mais j'ai rien, j'étais en joie. Donc, mes larmes coulaient à moi, mais il dit, non, c'est que vraiment. C'est vraiment ma prière que j'ai demandé à Dieu. Dieu vraiment. Il était là, il ne sait pas ce qu'il m'a investi. La fête, elle parlait comme ça, mais à moi, je sentais vraiment la joie. Donc après cela, quand ma soeur, elle est sortie, elle ne me connaissait pas avant, mais j'avais le regard sur elle. Elle ne parle pas avec moi, mais en étant là, je causais avec elle. Je causais avec elle, mais on ne parle pas. Mais quand il la voit, quand il la regarde comme ça, je sens qu'elle est devant moi en train de parler. C'est ce que je vois. J'étais pressé même pour qu'elle m'adresse la parole. Et après, maintenant, il me s'est approché. Il a dit, c'est vraiment la femme de frère Junior. Elle a dit, oui. Quand elle a dit cela, j'ai gardé le silence. Elle me regardait, elle l'a regardé comme ça. En elle, elle a senti que ce monsieur-là, il a senti quelque chose à travers la parole, que, la grâce que Dieu a donnée à mon mari. Mais elle a dit, mon frère, ah, pardon, pardon, après, on va se voir. Et quand elle a dit ça, ça m'énerve. Parce que je me dis qu'elle reste là même. Que j'exprime vraiment ce que je sens pour l'amour de la parole. Elle m'a dit, mon frère, exprime-nous. Non, l'autre l'a fait d'ici, l'autre l'a fait d'ici, mais non, elle a fini. Je voulais emprunter mon taxi pour venir sur à Bobo. Elle a dit, non, toi là, viens, 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 mon frère, viens. Fais maman prendre la même voiture. Il y avait un frère qui était là, elle nous a pris dans sa voiture, dans le compteur. Elle était dans le compteur, et elle a annulé le téléphone. Elle m'a dit, elle m'a dit, attends, madame, excuse-moi, il peut avoir le photo de frère Junior. Elle a dit oui. Non, elle m'a donné son téléphone même. Je m'en reculais. Je vous regarde son photo. Je dis, ah, c'est lui qui est là. Lui qui parle, c'est lui qui est là. Il dit oui. Je regardais le simple. Je dis, mais attends. La voix que j'entendais, c'est la personne qui est là. De là-dedans, de là maintenant, on a pas échangé. Donc, on est arrivé à Djamé. Il dit, non, vraiment, je vais descendre à Djamé ici. Donc, ils ont gardé la voiture. Elle m'a donné son numéro. Vraiment, je ne lui ai rien dit. Mais la manière dont je lui ai regardé, en elle même, elle a senti que. Il y a une chose qui s'est passée. Bah, on s'est regardé seulement. On n'a même pas été, on n'a pas changé, changé beaucoup. Donc, de là, le frère Junior, même je suis allé là-bas, ma femme mettait, bah, elle était là-bas, elle portait même des pantalons. Moi-même, je n'aimais pas qu'elle portait même, il dit, non, t'es pas là, il faut mettre ça de côté, tu es encore jeune, faut que tu mets les habits un peu, les skis un peu jeunes. Le pain là, faut mettre ça là-bas, parce que tu vois, où le pain là, faut payer les robes. Moi-même, avec ça, j'ai acheté des choses à ma femme, des mèches, des choses. Mais il dit, même jusqu'à ce que j'arrive à la maison, il dit, chérie. C'est moi qui achète nous, les habits les prêts du corps. J'aimerais que tu le mettes à forme en valeur. Mais vraiment, on lui dit, je suis désolé, c'est que ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que les mèches qui sont dans la maison ici, les tissages là, les perruques qui sont accrochées ici, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. J'aimerais que tout, une troupe. Mais le frère, je sais même si j'ai envie de faire. Parce que ce que tu disais, quand j'ai vu la soeur, ça m'a confirmé. Il y a eu la confirmation. Je suis arrivé à la maison. Il dit, chérie, Anne, elle dit, non, mais comment ça? Toi, chaque fois que tu sors de tu viens, tu as toujours le niveau de ce que tu as envoyé. Dit, mais ce que je dis là, c'est pour le bon. C'est pour le bon, mais j'aimerais que tes pantalons, les trucs là, les mèches, tu as tout sort. Donc, j'ai parlé, elle veut, ça, il ne veut pas, parce que, non, non, il me suis levé moi-même. J'ai commencé à arranger ça, arranger ça. Il dit, mais à quoi? Elle veut lui dire avec moi, j'ai pris tout, j'ai mis dans la poubelle. Il dit, ça, moi, il s'est sorti là, ça rentre plus ici. C'est moi-même, mon agent, il a tout pour acheter. C'est un commandement. Elle dit, non, mais c'est pas comme ça. La Bible dit, c'est pas, on fait pas avec la violence. Oui, c'est vrai. Mais ce que je dis, pas avec la violence, c'est parce que j'aime qu'il fait ainsi. Au dehors, les enfants de Satan peuvent faire tomber des gens. Ça m'a pas de lui dire, je ne voudrais plus que ma femme fasse combattre quelqu'un. Il dit, elle était fâchée contre moi. T'es fâché. Il dit, Dieu va te faire attention un jour et tu vas comprendre un jour. Il dit, frère, non, c'est devenu un problème. C'est devenu la guerre pour moi et ma femme. Mais dans ça, ma femme m'insultait. Lui, le jour, elle m'insultait. Elle faisait tout. Mais quand elle m'insultait, frère, non, il ne sait pas qu'est-ce que. Il
peu plus quand elle-même, un jour, elle a dormi la nuit. Et elle dit dans ses songes, c'est comme si cette jeune fille fait parler avec des mèches, mais il était vraiment violent. La manière s'est passée sur le plan physique, elle m'a vu ça. Oh, en étant de l'autre côté là-bas, frère Gino, elle-même essaie et moi j'essaie. Notre songe là, si elle a fait un songe, et si elle fait un songe, ça ne se trompe pas. Quand il dit, madame, il évite les choses, il ne discute pas avec ça. Elle sait que ça, c'est la vérité. Tu as vu? Donc, même si elle a dit ça, elle a eu peur. Elle dit, vraiment, chérie, elle te demande pardon, vraiment. Là, même si tu es arrivé, c'est qu'elle a fait du moins pardon. Le moment où elle a vu ça, aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas bon. Et elle a enlevé. Et quelques jours après, quelques mois après, dans mes songes, elle a enlevé les boucles d'oreilles et tout. Frère, j'entends mes songes encore. Une fois, ma femme a pété, elle a pété une boucle d'oreille. C'est brillant comme ça, petit dans ses oreilles. Ça brille comme ça dans ses oreilles. Quand elle a vu ça, elle dit, ma femme a acheté les boucles d'oreilles. Pourquoi je fais ça encore? Je vois qu'elle a les boucles d'oreilles dans ses oreilles. Je n'ai rien dit matin, je suis levé les oreilles dans les yeux comme ça, je suis sorti, ça le travail. Quand ça arrivait à la maison le soir, quand elle a vu mon pied devant la porte, elle a ouvert la porte, dit, chérie, hier, j'ai vu avec le boucle d'oreille. C'est petit, petit comme ça, bien, bien brillant. Est-ce que tu as encore des boucles d'oreilles dans la maison? Elle dit, va te laver. Tu allais me laver. Frère Junior, ce que j'ai vu dans mes songes là, elle a fait sortir, elle allait acheter, elle dit non, elle veut porter. Mais quand elle est arrivée, dans son cœur, c'est pas, elle avait une peur, elle n'arrive pas. Il dit, ce que j'ai vu dans mes songes là, automatiquement, quand elle a envoyé ces mêmes boucles là, elle a mis dans mes mains. Elle dit, t'as vu, ça là, tu n'as pas mis sur toi, mais ça te dit que ton âme a porté. La manière que tu avais envie encore de porter, tu n'as pas mis ça sur toi physiquement, mais tu as porté devant Jésus-Christ. Voilà. Automatiquement, même je l'ai. Elle a mis dans la poubelle, elle dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus cela. C'est là qu'elle a commencé à comprendre un peu. Mais quelques temps après, en confrère, j'ai resté fait. Dans mes songes, on a fini de prier, on allait se coucher. Dans mes songes, en ce moment, le frère, il nous a déjà baptisé, le frère Yangoura, il nous a déjà baptisé. On a reçu le baptême de là-bas. Dans mes songes, il voit ma femme, c'est comme si on vient aller au lit pour aller se coucher. Et puis, j'ai prié avec elle, frère Junior. Bien qu'au boum, ma femme a tombé, elle est tombée, elle a commencé à crier. Il me voyait les démons, il criait, sors de son corps, sors de son corps. Il ne peut pas chercher des démons. Dans mes songes là, hein. Quand je me suis levé le matin, je suis assis au chevet, sur le bord de lit. Je dis à ma, elle se levait, elle dit, chérie, à quoi? Elle dit, non, non. Et là, ma femme, comme ça, je commence à avoir la peine. Parce que ce que j'ai vu là, je sais que ma femme a habité par un esprit. Il dit, attends, chérie, est-ce que tu as un démon en toi? C'est comme ça qu'il vient parler. Donc tu lui dis ça le matin comme ça, comme, comme le bonjour. Tu lui dis que, est-ce que tu sais qu'il y a un démon en toi? Voilà, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il dit, oh, elle n'est pas à côté de moi aussi. Elle n'est pas là, elle est sortie. Donc tu vois, quand il dit ça, il dit en bas, il dit, mais chérie, j'ai vu un démon hier. J'ai vu un démon hier, en prière, t'es tombé. Donc comme il savait que mes songes là, quand il voit, donc à moi, il a commencé à me méfier de ma femme. Soit même la nuit même, au lit, est-ce que je suis hier, ma femme, il dit non, non. Quand il y a ma femme, il voit ma femme, elle est une autre personne. Quelques temps après, deux semaines après, mon frère Gino, j'ai fait le même songe. En priant encore, elle est tombée encore, boum, dans mes songes là. Je peux chasser les démons encore deux fois. Il dit, ah! Il dit, oui, chérie, ça devient grave, hein. L'esprit a vraiment il est en toi. Je sais qu'ils vont le chasser, mais t'es pas qui? Je sais pas si tu vas le chasser. Tu as un esprit en toi. Et il a vu ça deux fois. Frère Gino, quand il a dit ça, dans la même semaine, c'est là que j'ai reçu le message avec le frère Nyamamona Olivier que le frère Gino vient en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, qu'est-ce que j'ai senti à moi? Même il a dit ça, il dit, ah, c'est que je vais avoir ma femme. Parce qu'il sait que, avant que le frère quitte ici, pendant l'enseignement, je vois qu'il a fait faire les délivrances. Mais moi, quand il regarde même ce que je vois autour de moi, il ne sait pas qui allait confier ma femme. Pourquoi on lui encore, habite pas encore un autre démon. Donc je n'ai rien dit, je l'ai laissé. Donc quand tu es venu, premier jour, quand tu es parti, tu as dit non, que non, j'aimerais qu'on commence par des femmes. Il dit, moi j'ai compris tout automatiquement. Pendant que les gens disaient non, non, les personnes sont venues, disaient non, non, j'ai compris à moi que le frère là. Parce que quand tu es venu, je vais te dire une chose, quand tu es venu, moi, j'étais là pour te tenter. J'étais là pour te tenter. Faites-moi un soir. Parce que, en fait, quand c'était maintenant pas ce niveau que j'avais avant, parce que de là-bas, quand j'étais assis là, moi quand tu prêchais, c'est toi qui visais. Et ça va te remarquer, quand tu es venu, je n'ai pas posé de questions. Mais moi, j'étais là, à moi, je faisais un travail en bas. Je faisais un travail en bas pour découvrir vraiment qui est devant moi. Mais à chaque fois, quand il m'en vient, je cherche l'occasion, comment faire,
je fais, ça, ça marche pas. Je fais, ça marche pas. Donc quand je fais, l'esprit qui était avec moi de l'autre côté là-bas, ça monte un peu, mais ça n'arrive même pas à aller jusqu'au niveau de mes genoux. Et je me relâche. T'as vu? Donc, je fais jusqu'à après, non, c'est bon. Donc je me relâche maintenant, ici dans la chair maintenant, je t'écoute. Mais quand on a commencé, les gens ont gêné, quand on est arrivé, même les gens ont arrivé, d'accord. Quand je suis arrivé, frère Gino, moi, quand je suis assis dans l'assemblée, c'est les âmes de mes frères et soeurs que je voyais devant moi. Je ne sais pas comment quelqu'un comprend ça. C'est les âmes, je voyais les âmes devant moi comme ça. Je savais à moi qu'en tous les coups, ces jours-là, quelque chose va se passer. Parce que je voyais des âmes, des gens qui sont devant, physiquement comme ça devant. Je voyais, ça vient, je vois, ça vient. Moi, ça vient comme ça. En fait, frère, non. Pour que les autres puissent comprendre, ça, en fait, c'est rapide. Je ne sais pas comment est-ce que ça vient, c'est là qu'on ne sait pas penser, mais quand tu te souviens, tu sais que ce n'est pas penser. Tu as vu? Donc, ces jours-là, en étant là, je voyais d'abord même ma femme. Mais quand tu as dit commander à tous les esprits impurs, tous les démons qui sont en vous, frère, finalement, il était là. Moi, mais ce que je faisais là, ce n'est pas ce que tu as dit. En fait, j'invoquais toujours le sang, quand j'étais basé là-bas pour que l'esprit puisse se manifester, on invoquait le sang. Oui. Et c'est ce que je faisais. En faisant, je composais à ma femme. Frère Gino, dès que j'ai arrêté ça net à moi, avant que ma femme tombe là, j'ai senti d'abord, ça m'a fait d'abord coup d'abord. Et si je n'ai pas arrêté, c'est moi-même qui tombais. Attends, frère Yao, attends, on écoute très bien. Donc, quand on était en Côte d'Ivoire, quand on était dans la salle, le jour qu'on priait pour la délivrance, là, quand j'ai commencé à parler, dans ton cœur, tu priais autrement. Oui. Mais tu as senti que ça montait aussi en toi et ta femme aussi. Avant que ta femme ne tombe, elle commençait à crier. Voilà. Toi, même si tu as arrêté de prier voilà. De cette façon-là, raconte-nous en détail, donne les détails, raconte tout. Voilà. Pour qu'elle puisse tomber, moi, il disait comme ça que vraiment, père, moi, je veux savoir si vraiment ton esprit est vraiment ici. Donc, je recommandais certaines choses. Je parlais en moi et j'ai beaucoup de sang. Donc, quand l'esprit a commencé à monter, parce que là-bas, frère, ce qui m'étonne, c'est qu'il me disait là-bas que c'était le Saint-Esprit. T'as vu, non? Donc, quand je faisais ça, c'est ce qui bloquait ma femme. T'as vu, non? C'est ce qui bloquait ma femme. Mais quand il a commencé jusqu'à après, un coup comme ça, je suis devenu léger. C'est comme si mes pieds même ne touchent plus le sol. Ça ne touche plus le sol. Mais il s'est manqué. Il s'est en train de tomber. Donc, quand il a arrêté, ça net. Donc, quand il a arrêté ça net, ma femme a crié, waouh, boum, je viens de tomber. T'as vu? Quand elle est tombée, je dis, ah, c'est que vraiment, il n'y a plus de jeu ici. Donc, je dis, c'est la fin à ces choses-là. Oui. Donc, je commence à regarder. Regardez comment ma femme te disait. Quand elle a posé la question, elle dit, pour qu'elle puisse tomber, elle a dit, Jésus, il veut boire ton sang. Elle a évoqué le sang. C'est ce qu'elle a dit, non? Oui. Elle a évoqué le sang. Et c'était ce qu'elle faisait là, je faisais la même chose. Oui. Je faisais la même chose. C'est ce qu'elle faisait en elle, c'est ce que je faisais. Ce qu'il faisait, mais moi ça m'a pris ici. Quand ça m'a pris, je me suis relâché. Et là, il a pris le coup, et elle est tombée. Oui. Et elle est tombée. Et quand elle est tombée par là, tout ce qui s'est passé là, frère Gino, quand elle a la tête traînée là, tout ce que tu disais là, ce sont des choses que j'ai vues dans mes songes, qu'elle tombait. La manière elle a crié, la manière elle est tombée, c'est la chose que quand j'ai fait songe deux fois, la manière que je l'ai vue, tel que je l'ai vue, c'est effectivement le jour qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En fait, j'ai vécu ça devant moi, parce que j'ai vu sur le plan spirituel, c'est passé devant mes yeux. Quand elle est tombée, tous ses gestes, tout ce qu'elle faisait, il a vu ça. Quand on est arrivé à la maison, il a dit chérie, elle dit non, laisse-moi. Vous me laissez. Parce que ce que je l'ai expliqué, je l'ai passé devant elle, elle dit laisse-moi. Elle dit laisse-moi, elle dit vraiment, tu es arrivé. Aujourd'hui, là, c'est ma femme. Elle dit pourquoi elle est venue. Elle dit mais c'est ma femme parce que, à partir d'aujourd'hui, il y a toutes les choses à ma main. Parce que depuis ce jour, j'ai vu ces choses-là. Je me méfie avec toi. Il sait que quand il me colle à toi, il sent qu'il y a une aide qui est là encore avec toi. Donc vraiment, c'est depuis ce jour-là, il avait ma femme. Je l'aimais encore de plus. Amen, je l'aimais encore amen, de plus. Amen. Je l'ai pris vraiment. Vraiment. Frère Gino, vraiment. Je vais m'arrêter là. Vraiment, il y a plein de choses. Mais plein de sons. Ensuite, avec le temps, tu vas attendre des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Oui. J'aimerais que le frère Olivier Angoran te pose des questions concernant ces domaines-là. Frère Olivier Angoran, pose-lui les questions. Oh, en fait, on a écouté le témoignage du frère. Mais je voulais savoir. À moi la question? Oui, tout à fait, frère. D'accord. Ce que je voulais, c'est que je voulais dire par là, il a commencé le premier jour, le son qui est fait premièrement, quand il a écouté à ce moment de frère Junior, moi, ma délivrance a été faite,
C'est Jésus qui m'a délivré. Parce que de là-bas, on prenait la cesse parce qu'on a deux sorties. Quand on était là-bas, on a deux sorties. On a le 24 et puis la veille de la Pâque. Tu as vu? Donc, nous, on sortait parce que la cesse que nous prenons là-bas. Quand on priait comme ça, la prophétie descend de là-bas. Que le Saint-Esprit dit cette année, quand on aille à Yamsoukro, soit on aille à Boaké, c'est là-bas qu'on va aller faire la cesse. C'est comme ça, ça s'en dirigeait. Donc, ça veut dire quand on peut comme ça, l'esprit prend quelqu'un parmi nous, par trans comme ça, il dit bon, d'accord, cette année, on mérite qu'on aille à Yamsoukro pour aller prendre la Sainte-Seine. Et c'est comme ça qu'on faisait là-bas. Tu as vu? Donc, quand j'ai écouté le frère Junior, cet enseignement, il a commencé à demander ces choses-là. Le premier son qu'il a fait, où il y a eu cette force, où il a commencé à dénoncer ces choses-là, il dit, la manière, les choses qu'il a vomi, c'est comme si ce sont des poisons, des choses qu'il avait mangées, ce sont des poisons qu'il avait mangées. Vraiment, ce qu'il a vu, à chaque fois, quand il parle de ça même là, ça me crée encore des problèmes pour manger même là. C'est moi aussi, j'ai vu ce que j'ai vu. Et tu as vu. Donc, à travers ces enseignements, j'ai reçu une délivrance que la main d'une personne ne m'a pas touché. Mais quand j'ai fini ça, quand je me suis réveillé net, j'ai senti à moi qu'il y a une chose qui vient de se passer. C'est pas un homme, c'est Dieu même qui m'a délivré. Parce que là-bas, j'ai mangé, ce sont les poisons que j'ai pris là-bas. Amen. J'ai pris certains poisons là-bas. Parce que le baptême qu'on a fait là-bas, on dit, il va vous faire savoir une chose encore. Regarde comment on baptise là-bas. Avant de baptiser une personne, on se met devant, la personne il rentre dans l'eau d'abord, et il soulève ses deux mains, et il prie la langue pendant au moins 30 minutes d'abord. Et puis là maintenant, nous qui avons déjà reçu, les ceux qui vont aller baptiser, qui sont déjà sur au bord de l'eau, on les fait rentrer. Et quand tu rentres, on te pose la question. On te pose la question, et la personne va te poser, tu réponds par oui, ou soit par non. C'est comme ça, c'est une alliance d'abord, on appelle la mission Nouvelle Alliance. C'est le nom de la mission qui est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. C'est tout qui est là. Donc, quand tu rentres maintenant, tu poses la question. Il prie avant pendant un moment, et puis il soulève sa main droite à gauche. Non, sa main gauche d'abord. Non, sa main droite. Il te pose la question. Il te pose la question. Voilà, il dit comme ça que. Voilà, il dit devant le Dieu d'Abraham, de Zacharie, de Jacob, les créateurs de nos âmes, devant Jésus-Christ, devant les saints anges, devant le Saint-Esprit. Tu vois cela? Et puis il te pose la question maintenant. Avec le Satan, avec le démon, tu dis oui. Tu veux manger la chair de Jésus-Christ en esprit, tu dis oui. Tu veux boire le sang de Jésus-Christ en esprit, tu dis oui. Quand tu peux me répondre, c'est là, tu dis maintenant, sur la base de la déclaration de ton âme, je te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les conditions mort au péché et ressuscite en Christ. Tu vois cela? C'est comment ça se fait? Donc, il y a une nourriture peut-être qu'on mange là-bas. Et où me suivez? Il y a une nourriture qu'on nous donne d'abord là-bas. On nous dit d'abord, si tu veux manger la chair de Jésus en esprit et boire le sang de Jésus en esprit. Et quand on a comme ça, souvent même les gens qui font les visions, on dit quand on est baptisé, quand c'est que la vision là, tout le monde là, tes visions sent comme ça. Tout le monde là. Il est baptisé plusieurs âmes là-bas. Il a envoyé plein là-bas. Donc quand ceux qui ont les visions, quand ils font ça, on dit quand ils les mettent dans l'eau comme ça, quand ils sortent, ils disent tout le monde là, tes visions du sang. C'est ça, ils vont au tout. Et tu vois, non, souvent, quand on dit, bon, d'accord, il faut boire, il fait comme il va boire, il tombe dans l'eau, et puis il boit jusqu'à après maintenant, et puis on est baptisé, tu vois. Donc, il y avait certains poisons là-bas qu'il a bu, il a mangé. Donc, quand il a reçu l'enseignement du frère Junior d'abord, ma délivrance a été faite sur le plan spirituel. Parce qu'il sentait à moi qu'il y a ceux qui l'ont quitté à moi. Parce que depuis ce jour, il a fait ce songe que ces trucs sont sortis. C'est là qu'il y a eu la force pour aller les dire. Parce que ce n'est pas parce que toi-même qui étais devant les gens, qui enseignes les gens, que fais un super c'est un coup qui arrive devant tout le monde. Devant l'assemblée, tu dis que non, ce qu'il a dit, c'est pas ça, je suis pas d'accord à ça. Au moment où il a enseigné, il était vraiment, il a fait presque 2 ans dedans. Il était un ancien. Donc, ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il a reçu, moi, je voulais essayer voir si vraiment, je suis vraiment délivré. Donc, quand le frère Junior est venu, j'ai fait cette incarnation à moi-même pour voir vraiment, parce que je cherchais vraiment la vérité. Je cherchais vraiment, parce qu'il faisait avec un cœur. Donc, moi, mon souci est que ce qu'on donne le fait, que ça soit bon. Donc, quand le frère est venu, moi, tout mon but, quand il était devant moi, c'est pour tenter vraiment l'esprit qui est en lui pour voir si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Et derrière, quand ma femme, elle a reçu la délivrance, et quand elle était assise là, elle voyait vraiment un homme vraiment pas possible, une autorité qui était, il nous couvrait tous. Il était bien en plein, vraiment, c'est un homme, on ne peut pas même le voir dans ses visages, autour même de lui, c'est la lumière qu'on voyait. Mais vraiment, c'est un homme vraiment, il voyait au niveau des pieds jusqu'à. Monter un peu, mais puis tout le reste, on ne voit plus. Oui. Mais cet homme-là, même le Jésus, c'est lui qui commandait le Jésus, il commandait tout le monde. Oui. Vraiment, quand il a dit ça, vraiment, il a reçu, il a senti parce qu'il a vu que vraiment,
le frère là, il avait du pied d'esprit vraiment avec lui. Donc moi, tout ce que je faisais, ce que vous voulez que vous tirez, je faisais pour savoir la vérité. J'ai tenté pour voir vraiment si vraiment il est de Dieu. Et tout ce qu'il disait, c'est vraiment c'est Dieu qui lui pousse à faire ces choses-là. Et j'ai reçu comment on appelle ça, la confirmation. Quand depuis que Jésus est parti, il me le dit, quand j'ai fait mes yeux comme ça, ces choses-là, mes frères, je laisse cela parce que c'est à moi seul, j'ai vu ça pour le moment. C'est à moi seul, j'ai vu ça pour le moment. Et ma prière que vraiment, que la volonté de Dieu vraiment soit faite. Et il sait que, parce que ces choses-là, ce que j'ai vu, il dit, mes sons, ça ne se trompe pas. Ça ne se trompe pas quand il voit ces choses-là. Il sait que ça va monter, descendre. Quand le jour va arriver, ça va sonner. Ça va sonner avec autorité, avec la puissance que je vois. Donc vraiment, j'ai l'assurance aujourd'hui. Il peut taper la poitrine pour dire chrétien. Il peut dire chrétien sans avoir peur. Parce que, en témoignant de ce que je cherche, je ne veux pas d'abord chrétien. Je veux que je sois disciple. Parce que un disciple, c'est ce qu'il disait toujours à mes frères, vraiment, qui vient vers moi, qui me voit toujours ici. Un disciple, c'est celui qui vit la vie d'une personne qui n'est plus là. Et les ceux qui le connaissent, on le voit, on sait que lui-là, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, on a oublié la manière, quand il était là avant nous qui le connaît, c'est comme ça, il vit. Donc, moi, je cherche être disciple, pas être chrétien. Parce que chrétien chez moi, c'est ça, pas être simple chrétien. Donc, il veut vivre la vie de Dieu. Mais cela, très souvent, je vois quand je sais qu'il y a des épreuves qui m'attendent devant moi, il voit ces choses-là. Mais je sais que comme Jésus-Christ sait toutes choses, il est avec nous, il ne va jamais nous donner quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient avec les frères, qu'ils ont, quand on sait quoi, ils disent toujours que non. Donc, moi, je vous ai de prendre toujours quoi, parce que tout ce qui va nous arriver, Dieu au contrôle de tout, c'est sa volonté parfaite. Donc, ne soyez pas troublés. Pour que nous puissions vraiment manifester sa puissance, il faut que lui-même, tout cela va être donné par lui. Si ce n'est pas fait, rien ne peut s'arriver. Non, vraiment, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, j'ai une assurance parce que j'ai un gardien, vraiment. Non, vraiment, frère, je suis avec mes frères qui se résument là, ici en Côte d'Ivoire. J'ai d'abord prié et dit, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, même si c'est la main qui va être coupée, si c'est le père qui va être coupé, j'ai une assurance que toutes ces choses qui vont m'arriver maintenant là, ça sera la volonté parfaite de Dieu. Amen. 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 Frère, je vais poser une question. Quand on était dans la salle ce jour-là et qu'on priait, je disais commander à toute puissance qui n'est pas de Dieu dans la salle de quitter. Est-ce que les chrétiens qui étaient dans la salle étaient au courant de cet être-là qui se tient au milieu de nous en dehors de moi? Ta question à qui? À Frère Yao, c'est avec Yao que je parle toujours. Oui, il savait que parce que il y avait une femme qui était à côté de moi. Quand tu dis commander, la femme, elle parlait en langue. Elle a commencé à parler en langue, tu vois, elle a commencé à parler en langue. Oui. Mais la langue, elle parlait là. Moi, je cherchais à savoir, mais quand je regardais, elle parlait avec la chair. Elle dit avec la chair, c'est pas une langue, ça ne sort pas d'elle. C'est quelque chose qu'elle a entendu, donc elle répétait. Parce qu'il fait des choses, elle était proche de moi. Il fait des choses pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est en dehors de là. Mais quand elle priait, quand elle faisait, il n'a rien senti tout de moi. Il a vu que tout ce qu'elle disait, c'est avec la chair. Donc quand il a vu ça, il n'a plus. Donc après cela, il était observé. Quand il parlait, mais après, tu prêtes l'attention. Je suis un junior. Mais quand elle parlait, elle était la seule à parler langue parmi nous. Donc quand elle parlait cette langue-là, junior, il marche, mais il tenait l'attention. Il veut tirer quelque chose de cette langue. Mais il ne voyait rien. Non, après maintenant, il a agressé. Donc, calmez-vous. Il a dit maintenant, je ne vous ai pas dit de dire ainsi. Je vous ai dit commander seulement. Quand elle a dit ça, elle n'a plus répété ça. Et tu vois. Donc, de là, tout ce que le frère Jérôme disait, tout ce qu'il disait, en tout cas, je contrôlais tout. Je faisais toutes les actions, je regardais tous ces gestes, je regardais tout. J'ai vu que cette chose, ils sont pas. C'est pas un homme, c'est pas lui qui faisait. Donc, parce que je n'arrivais pas à attraper ce qu'il faisait. Ouais, tout ce que je faisais, je veux contrôler ça, mais je faisais tout, je n'allais pas à saisir, il a vu que ça me dépasse, il a vu que vraiment le Dieu vrai est parmi nous, il était là. Là, vraiment, c'est ce que j'ai su en ces jours. Et qu'est-ce que ta femme t'a expliqué quand ça s'est arrivé sur le boom, quand cette tête-là s'est tenue là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme t'a expliqué sa délivrance, comment ça se passait? Voilà, elle dit avant qu'elle tombe, le ninja, ça paraît un coup devant elle. Le ninja est passé un coup. Le ninja qu'elle avait vu, qu'on avait reçu le baptême avec de l'autre côté, la nouvelle alliance là. Elle dit, le ninja là est passé un coup. C'était rapide. Quand le ninja là est passé net, ça n'a pas duré. Quand c'est passé, parce que quand il dit, quand le ninja est venu, c'est comme si le courant est rentré en elle en même temps. Tout son corps même tremblait un coup. Elle ne pouvait plus encore ses pieds. Et puis elle est tombée en même temps. Mais quand elle est tombée, au début, elle était à terre, criait.
et criaient, criaient. Après, le frère Olivier avec les autres frères qu'ils ont pris, et puis ils l'ont mis assis là. Et quand ils étaient assis là, et là, ils voyaient la lumière, toute la cour, l'endroit était la lumière, mais ils voyaient vraiment un homme vraiment. Elle ne sait pas comment décrire cet homme. Si on était là, elle disait, elle ne sait pas comment décrire ça, mais vraiment, si on demandait, elle ne sait pas comment exprimer, mais vraiment, elle savait qu'il y avait un homme, il y avait un présent, il y avait vraiment un homme vraiment autorité, autorisé. Il était là, mais elle voyait vraiment, elle ne pouvait pas même tenir, elle était vraiment étouffée, mais après cela, elle est devenue légère. Elle a su qu'elle dit, elle voyait, c'est comme une bête sautait dans ta ses pieds. Elle dit, par exemple, quand les femmes enceintes vont à l'hôpital, souvent comme ça, on dit, l'enfant rentre dans le pied. T'as vu? Elle s'est un truc comme ça. C'est comme un accouchement comme ça. C'est comme un enfant en train d'aller dans ses pieds. Donc après cela, maintenant, et puis c'est sorti par le pied. Et quand c'est sorti net là, elle a retrouvé ses membres. Et puis elle s'est sentie vraiment légère. Elle a senti que vraiment, il y a une aide qui est en elle qui vient de sortir. Exactement. Puisque lors de la délivrance, elle criait que mes pieds, le courant. C'est la puissance là qui sortait par ses pieds. Voilà. Et c'est ce qu'elle avait vu. Donc elle a vu sa main vraiment. Et elle était vraiment rassurée que Dieu est avec toi. C'est depuis ce jour vraiment. Avant, je t'écoutais bien. Tout ce que tu disais quand j'examine, tout est vraiment biblique. Et c'est vraiment clair. Il n'y a pas vraiment de discussion dessus. Je ne sais pas, quand j'entends la vérité en moi, je sens que c'est la vérité. Je sens que c'est la vérité en moi. Et puis je me réjouis. Frère Junior, je suis quelqu'un, mes lames là, étant petit, maman me disait que non. Comment est-ce qu'on me frappe comme ça pour que mes lames là sortent? Mes lames ne sortent pas. Mais je te répète encore, pas pour te glorifier. Je suis en train de glorifier Jésus-Christ comme ça parce que ce que je lui dis, c'est un témoignage pour Jésus-Christ. Amen. Moi, mes lames sont très, très loin. Mais quand tu es venu en Côte d'Ivoire après, tu n'entendais pas. Frère Junior, ça m'est arrivé presque 10 fois maintenant, en lisant la Bible comme ça, et puis un coup comme ça, en lisant la Bible, il dit, tellement la joie, tellement tout, jusqu'à y voir, mais moi, il y a aussi, j'étais vraiment un bandit. Moi, je me frappe comme ça, même pour que je pleure. Il dit, on ne me frappe pas, mais là, il dit, je pleure, une fois comme ça, il veut même me retenir, je n'ai même pas me saisir. Je pleurais comme ça, fort comme ça, il ne sait pas. Et en lisant seulement la Bible, vraiment, il ne sait pas. Il expliquait, il disait, comme ça, et puis ça, la joie, vraiment, tellement, il sentait la joie, jusqu'à mes lames. Je n'avais même pas me saisir. Je pleurais, il dit, je criais comme si quelqu'un m'a frappé avec voix. Ça m'est arrivé deux fois. Mais là, ça, après, ça n'entendait pas sur la Côte d'Ivoire que cela m'arrive maintenant. Mais il t'a présenté avec que quand il veut lire la Bible, d'une certaine manière, il ne sait pas. Ah, quand souvent, il ouvre mon esprit, il veut lire la Bible. En ce moment, je ne sais pas si je veux faire à moi-même, je vais pleurer. Non, souvent, quand je veux lire, je lis. Quand ça m'est venu, je coupe et puis je ferme la Bible, je ferme la Bible et même j'arrête. Parce que souvent, quand il ouvre l'esprit, il veut lire avec l'esprit à moi seul. Quand il fait ça, il veut pleurer. Donc, quand ça vient, il ferme la Bible et puis j'arrête. Donc vraiment, cela, cette joie, il disait à mes frères que quand Jésus disait, je vous laisse ma paix, frère Junior, cette paix-là, c'est pas quand tu as au moins une chose vraiment très précieuse, non. Je ne sais pas comment expliquer cette paix-là. Il disait à mes frères que vraiment, j'ai prié vraiment pour mes frères sans que tu vois ici. Pour que cette paix, parce que cette paix-là, quand il est en toi, tu ne sens plus mal. Ça veut dire quoi? On te fait du mal, avec tout ce qu'on me fait habituellement, quelque chose, il ne sait pas comment expliquer ça. Plus même que ça avec moi, c'est moi, même les frères m'ont beaucoup ici. Quand il y a des choses, on m'envoie, c'est un problème. Quand ils sont dit non, ça oui, c'est pas un problème religieux. En fait, il veut expliquer toutes choses selon la parole. C'est pas quelque chose que quand on m'envoie. Non, mais dit non, ça c'est pas fait. Dieu, ça, t'as vu? Donc, à moi, je ne veux rien dire à quelqu'un sans ça. Il ne sait pas comment expliquer ça. Donc, cette paix-là à moi, c'est que je veux dire, mais que si cette paix-là en vous, hein, vous devez savoir de quoi il est question. Vous pouvez vraiment aimer votre prochain. Vous pouvez vraiment pardonner tout ce qu'on vous fait. Mais si cela n'est pas en vous, parce que je suis en train de vivre ça. Même l'enseignement t'a dit que les réalités ne sont pas réelles pour certains. Pas comme si la parole n'est pas vraie. Mais pendant que cette réalité-là devient pour toi, ça parle de ce jour-là, tu veux dire que ah, vraiment, cette parole-là est vraie pour toi. Mmh. Tout est vrai. Mmh. Mais la réalité, il y a certaines réalités qui ne sont pas réelles pour certaines personnes. Oui. Donc vraiment, cette joie-là, frère Gino, je suis dans mon trou ici. Et une fois, quand j'ai parti, il dit non. Je voyais certaines choses, je t'ai expliqué ça. Quand j'ai parti, une semaine après, je suis couché là, j'ai fait mes yeux mettre là et puis je me suis ouvert en même temps. C'est une chose que l'esprit me montrait. Frère Junior, quand il veut voir ça bien, il ne sait pas, il y a des choses qui m'empêchent. Non, il me suis levé, mais non, moi je veux voir ça, il me suis levé. Il m'a rien entendu, la personne me dit, il n'y a pas de quelqu'un, mais dans l'esprit, il me dit que non, il ne faut pas te presser, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et puis mes yeux sont ouverts en même temps. Mais j'ai vu le frère, il a dit ça. Il faut pas que ça le frère, il a dit.
avec ma femme, ça va, les dames me traitent. Hein. Est-ce que j'ai une femme? Je dis, mais attends, parce qu'il est vieux, le récit me dit, quand il va grandir, quelle façon? Je dis, en vrai, il commence à arriver. Oui, je suis que, il y a des choses qui sont réservées à mon niveau. Donc, il m'a dit de patienter, de patienter. Et avec dans cette patience, ma frère Junior, il y a certaines choses que j'ai vues, en tout cas, ma vie que j'ai vue entièrement, moi seul, avec Dieu, c'est une vie que vraiment, il sait que quand un jour, tu vas me dire, lève-toi au milieu de tes frères, quand je vais parler, cette vie-là sera un témoin. Ce sera vraiment un enseignement. Je vois que tout ce qui m'arrive à témoin, quand je vois ces choses-là, à moi, il sent que ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Mais il sait qu'un jour, ça va faire sortir certaines personnes dans certains lieux de ténèbres. Donc, vraiment, vraiment, frère Gino, là, je vois, il ne sait pas. Si moi, si je vais parler, vraiment, mes frères, les autres, peut-être, c'est une chose à dire. Oui. Frère Gino, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ouais, je crois que dimanche prochain, on va encore en partager parce que il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire, comme j'avais dit, beaucoup de sorcellerie et cette pratique-là, c'est venu au milieu de l'Église. On utilise ces esprits-là dans au milieu de l'Église maintenant en convertissant, en utilisant le nom de Jésus. Beaucoup de pratiques traditionnelles sont trouvées dans l'Église, beaucoup de pasteurs fétichés sont trouvés dans l'Église, y compris dans, et c'est dans l'un de ces endroits-là où tu étais. D'accord, mon frère. Oh, vraiment, frère, sinon. Et puis, voilà une chose à vous expliquer. Il me rappelle une chose encore. Quand les chrétiens en Côte d'Ivoire étaient partis, frère, sinon, deux semaines après, dans la même semaine-là, il y avait un pasteur, puis avant, il est parti. Avant que je m'enlève, même chez les frères, là-bas, il est parti, ça fait Bruno. Il était pasteur avant, et à demain, il est devenu prophète. Il a changé le nom, il est devenu prophète maintenant. Donc, il n'est plus pasteur, il est devenu prophète maintenant. Donc, un jour, quand il est parti, c'est comme si j'ai organisé, parce que c'est comme il a vu que le monsieur était faux, qu'il avait certaines choses, certaines pratiques dans sa main, dans cette songe-là. Hein. Donc, j'ai organisé une réunion, et puis il dit, ah vraiment, aujourd'hui là, il est allé voir le prédit, aujourd'hui, tu vas voir. Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans notre pays. Il y a un enfant de Dieu dans notre pays qui arrive. Donc, ce jour-là, lui aussi, il s'est associé avec tous ses frères qui sont là-bas, dans mes songes-là. On est parti, qu'on est arrivé, moi, avec des frères, j'ai vu Olivier, j'ai vu, comment là, c'était un frère, beaucoup de frères de la Côte d'Ivoire. Donc, on nous a donné une place à quelque part. Donc, la salle est grande dans son église, c'est comme dans son église. On était allé, il voyait bien le lieu, parce qu'il connaît bien le lieu. Donc, on est arrivé, tu es arrivé, il est sorti avec sa voiture, il est revenu. En fait, il était paniqué. Le frère était paniqué, le pasteur, même le pasteur était paniqué. Qu'est-ce qui le faisait paniquer? Je n'entends plus la voix. Allô, le frère Yao, tu nous entends? Ou bien les esprits du pasteur ne veulent pas que tu parles? Allô, le frère Yao, est-ce que le frère Yao nous entend? Le frère Olivier, vous m'entendez? Oui, je t'entends parfaitement. Ah, le frère Yao, mon frère bien-aimé, il a des bons témoignages. Il a des témoignages. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, ça va barder. Avec vous également, ça va barder. Parce que Dieu est en train de préparer vraiment un choc là-bas pour les faux prophètes. Les faux prophètes vont sentir le châtiment là-bas. Amen. Mmh. Je crois que le Seigneur a voulu que ce soit le témoignage du frère Yao qu'on écoute aujourd'hui pour nous fortifier. Et que l'essentiel, c'est que chacun reste dans la parole et que chacun se connecte au Seigneur et à l'Esprit de Dieu de la bonne façon, pas de façon superficielle. Parce que nous voyons dans son cas, nous voyons effectivement que les gens ont invoqué ce qu'ils appellent le sang de Jésus en bordure des mers et ils font mettre les gens dans les alliances et les esprits entrent dans la vie des gens. Et vous avez été témoin, c'est vous qui avez arrêté sa femme. Lorsque nous prions là-bas en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Vous voyez effectivement que des choses se font au nom du Seigneur Jésus-Christ avec les puissances étrangères. Il est temps, franchement, que chacun de vous travaille en secret avec le Seigneur. Ça sera bénéfique pour sa propre vie spirituelle et pour la vie des autres personnes qui vivent dans les ténèbres. D'accord, mes frères? C'est compris, frère. Mmh. Amen. Mais frère Junior. Oui, parle-moi. Frère Junior. Oui. Bon, je ne sais pas. Le jour qu'on fait la délivrance de la femme du frère Yahoujul, là, elle se débattait là, il fallait qu'on l'attrape là. C'était moi quand je l'ai attrapé, vraiment, j'ai senti vraiment, c'est comme une décharge électrique. Oui. Bah, vraiment, ça m'a secoué même. Oui. Je n'ai rien compris. À chaque fois, quand je me posais des questions, bon, je n'arrive pas à comprendre
cette expérience-là. Voilà. En fait, déjà, je l'explique. Écoute très attentivement. Oui, mais... Maintenant, je vais te parler. Voilà l'une des raisons pour laquelle il fallait que vous soyez à jeune. Si toi, tu n'étais pas à jeune, si tu sais que cet esprit-là pouvait entrer dans ton corps, était possédé. Parce que c'était une grande puissance, une grande autorité, une vieille autorité qui s'est retrouvée en elle. Et cette autorité-là, ça devait la consacrer prophétesse au point où elle devait être une très très grande prophétesse comme les grandes que vous voyez dans votre pays là. Donc, comme tu étais à jeune, le Seigneur a fait que tu ressens cette puissance. Cette puissance qui est sortie, cette vibration qui est sortie, ça t'a touché avant de partir. Je comprends maintenant, chef. Mm-hmm. Non, vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Je me posais des questions. Comme c'est... Vraiment, c'était comme déjà électrique. Ça m'a secoué un coup. Je l'ai compris. Ah. Mais c'est en ce moment, peut-être que j'ai sorti, tu comprends, c'est au moment où le démon sentait qu'il y a eu ce truc-là. Exactement. Et depuis aussi, comment est ta vie spirituelle depuis notre passage? Ah, bon, par la grâce de Dieu, ça va, question de peut-être de la vie de Machat, selon sa parole. Amen, amen. Le frère Eden, parle-nous, comment ça va depuis? Oui, depuis, il y a des choses qui m'arrivent que moi-même, je ne sais pas comment expliquer. Au travail, on me demande, mais comment tu as fait pour arriver ici? Et là, je pense seulement que ils ont qu'à mettre ça sur le compte du Seigneur, parce que moi-même, je ne peux pas expliquer. Mm. Depuis des jours, j'essaie de m'asseoir pour essayer de comprendre comment je suis arrivé là-bas, comment ça s'est passé jusqu'à... C'est avant-hier, on m'a dit que bon, on m'a embauché maintenant, on m'a employé. Et tout ça, sans même savoir, non, on n'a pas regardé mon diplôme, sans rien. Mais bon, j'arrive pas à comprendre vraiment ce que le Seigneur fait, c'est merveilleux. Je ne peux pas définir comment. Je ne peux pas expliquer comment il a fait pour me retrouver là-bas. Je ne peux pas expliquer. Amen, 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 amen. Mm. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et souviens-toi de que Chabda se trouve chez toi. Tu es mon papa, n'est-ce amen. Pas? Le frère, il est mon papa dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Mm. Voilà, je crois que nous avons passé une bonne dimanche. Nous allons, dimanche prochain, soyez sérieux. Ça, c'était le premier test pour que chacun puisse tester comment utiliser les outils. Dimanche prochain, plaise au Seigneur, on va bien entrer dans l'enseignement. On va partir à partir de ces témoignages-ci pour entrer dans l'enseignement spécifique pour la Côte d'Ivoire. D'accord, mes frères? Amen. Mais en tout temps, en semaine, essayez d'aider la sœur Christine par rapport à sa connexion. Essayez de l'aider comment utiliser Skype. Essayez de causer. Même après moi, là, essayez de causer pour vous entraîner avec cela. Le frère Olivier là, essayez d'échanger avec le frère Yao. Vous échangez pour essayer de voir comment vous connecter avec le frère Arthur. La sœur Assetou, elle est où la sœur Assetou là? La sœur Assetou m'entend? Elle a coupé son micro. Ok, ben, si elle m'entend, j'aimerais savoir comment... Mais voici, frère Julien. Voilà, ma soeur, comment tu vas depuis la Côte d'Ivoire, comment tu vas, comment tu ressens, comment tu vas à la vie spirituelle, comment tu dors maintenant? Tu ne bois plus le lait des pasteurs, comment il s'appelle encore là? Florian, ou c'est Florian, ou c'est Laurent, raconte-nous. Papa Florian. Oui. Florian. Il y a un bruit chez toi, frère Olivier, coupe ton micro, frère Olivier, coupe ton micro. Frère Olivier, il faut couper ton micro. Frère Olivier, suis madame, coupe ton micro. Oui, c'est chez le frère Olivier qui a le problème. Oui, la sœur, c'est pas chez moi. Oui, non, c'est pas chez toi, c'est chez le frère Olivier. Oui, ça. Je crois que le frère Yao dû avoir le problème avec sa connexion. Soit sa connexion est finie. Oui, parle-nous, la sœur, assez tôt. En tout cas, ça va maintenant par la grâce de Dieu. Je dors bien. Oui. Et Dieu m'a fait grâce. Mon mari m'a rappelé à la maison. Oui. Donc, je rends gloire à Dieu. Et après ton départ, en tout cas, tout va bien pour moi. Ton cœur va comment avec ton mari maintenant? Tu l'aimes encore? Donc, le Seigneur restaure les chemins. Je l'aime. Amen. Regarde, il est fort.
En tout cas, il ne faut pas y aller une fois. RFO. Le frère Diamandé, il est encore au volant. Oui, je crois que la semaine prochaine, il faut qu'on parle aussi avec le frère Diamandé. Il faut qu'on parle avant de continuer à la parole. Parce qu'il faut qu'on en donne la parole maintenant pour vous, par rapport à la Côte d'Ivoire particulièrement. Vous savez que c'est mon pays, c'est l'un de mes pays là-bas. Il faut que le frère Diamandé parle. Je crois que la semaine prochaine, on va parler aussi avec son épouse. Ah, je suis content. C'est comme si j'étais encore en Côte d'Ivoire avec vous là maintenant. Oui. Oui, mon frère. Au niveau des heures, là, parce que comme il y a un décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je ne sais pas à quelle heure GMT, là, il faut qu'on soit connecté. Voilà, maintenant, il est 16h, il est 16h30 ici au Cameroun. Chez vous, il est quelle heure? 15h30. Attends, il est 17h30. Il est 16h30 chez vous. 15h30. Donc ça veut dire que nous avons une heure de plus chez vous par rapport à vous. Oui. Donc ça veut dire que normalement on doit commencer à 11h de chez vous, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. 11h de chez vous, donc 12h ici chez nous au Cameroun. Donc notons comme ça là, 11h de la Côte d'Ivoire, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc soyons à l'heure, mais utilisez tous ces moments-ci pour essayer de profiler la façon dont de vous connecter. Comme ça, le dimanche prochain, qu'on ait de bonnes expériences par rapport à la connexion. Aidez surtout la sœur Christine, s'il vous plaît. Pas de souci, frère Junior. En tout cas, je vous laisse sous la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous protège, qui veille sur vous. Et je continue à partager sur le forum pour mieux expliquer à ceux qui ne savent pas se connecter. Comment se connecter, comme ça on se retrouve dimanche prochain, plaise au Seigneur, à 11h d'Abidjan, 12h de Douala au Cameroun. Amen. Merci bien. Que la grâce et la paix vraiment vous soient multipliées. Salut moi les frères, tous les autres frères, dites-leur que je les aime, que Dieu vous bénisse franchement. Amen. Amen. Très dans la paix. On t'aime aussi. Amen. Amen. Même le Cameroun. Amen. On vous attend ici au Cameroun, vous allez manger le ndolé avec le mbongo. Amen. Soyez bénis. Amen. Servez toujours le Seigneur. Shalom. Amen. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin.